Good morgen, allez, Iden et Tusra, aujourd'hui le Nishmat, François Vajiv Ben Chana, Janine Ruy Bat Fortune Mazal Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom et Shayaou Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Brachot, Perektet Mishnah Bet, Ala Zikin, Ve Ala Zvaot, Ve Ala Berakim, Ve Ala Reamim, Ve Ala Ruchot, Omer Baruch Shekoko Gvurato, Malé Olam. על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות, אומר ברוך עושה מעשה בראשית. רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול אומר שעשה, ברוך שעשה את הים הגדול, בזמן שרואה אותו לפרקים. על הגשמים ועל הבשורות טובות, אומר ברוך הטוב והמטיב, ועל השמות רעות אומר ברוך דיין האמת. On est dans, je vous ai dit, le Perek Neuf de Brachot. On parle de Brachot à réciter dans toutes sortes de circonstances. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, chose jolie à voir, chose moche à voir. Il y a des Brachot pour tout, même quand on voit quelqu'un qui est très bizarre, même quand on voit un nain, il y a une Bracha prononcée, Baruch Mishane Abriot. Quand on voit quelqu'un de très beau, il y a aussi une bracha. Quand on voit des Chachmi Israël, il y a des brachot à prononcer. Elles ne sont pas toutes explicitées dans la Mishnah, il y en a qui sont plutôt dans la Gemara. Mais pour notre propos, notre Mishnah, on va avoir déjà 4 brachot. Une première série, c'est les brachot qu'on va mettre dans le groupe de... Avant de traduire les cas au cas par cas, je vais d'abord présenter les deux groupes. On a deux groupes de 5. 5 choses que lorsqu'on les voit, on est... Des choses qui font peur, qui terrifient, qui montrent une force suprême. Et donc la bracha prononcée, quand on les voit, eh bien c'est Baruch Shekocho Gvurato Malo Olam. On fait la bracha Hashem qui a une force et une rigueur, on va dire, qui remplit le monde. C'est-à-dire, en fait, on voit, on entend par exemple, on va parler d'un tonnerre terrifiant, imaginez comment ça prend, comment ça fait trembler des fois, d'accord. Et eh bien... tout de suite, on glorifie Hachem et on fait une bracha en reconnaissant qu'il a une force bien supérieure à ça. C'est un petit élément, ça, c'est avec son petit ongle qui vient Paul. Et donc, on reconnaît la force et la puissance d'Hachem. D'accord? C'est le principe des 5 premiers groupes. Les 5 autres groupes se vont être plutôt des cas où c'est des choses qui font pas peur, mais c'est des choses qui sont gigantesques, impressionnantes, mais essentiellement. Qui sont gigantesques depuis la création du monde. Ils n'ont pas bougé, ils sont là. On est émerveillé par eux. Il faut s'émerveiller par eux. En montrant, waouh, je ne sais pas moi, quand on prend l'avion, ça me fait toujours. Quand on passe un moment, je ne sais pas, je pense quel pays qu'on traverse, pour aller en France, on passe où, j'imagine, quelle chaîne de montagne, les Pyrénées, où on voit comme ça des étendues gigantesques de montagnes. Quand on les voit, ça évoque quoi? Ça évoque que depuis la création du monde, les choses sont comme ça. Nous, on voit ça. On dit Baruch Hosem Hasem Bereshit. Alors que les goyim et les philosophes, quand ils voient ça, ils se mettent à parler qu'il y a des centaines de milliards d'années-lumière, ou je ne sais pas, avec le chariot qui peuvent raconter, et que les chaînes de montagne ont été créées, non pas du tout. On reconnaît que Hachem a créé le monde, il a créé un monde comme ça. Ça témoigne de la création du monde. Donc la bracha, ce sera Baruch Hosem Hasem Bereshit. D'accord? Qui a fait le Maaseh Bereshit, qui a lui-même créé le monde. Et donc, on va traduire les 5 séries. Les 2 séries de 5. Alazikin, sur les comètes. On voit une comète passer. Alazvaot, on voit quelque chose qui nous impressionne, qui traverse le ciel. Et Alazvaot, sur les tremblements de terre. Alabrakim, et sur les éclairs. Alareamim, sur les tonnerres. Alaruchot, et sur les vents violents, les tempêtes. Parce qu'il y a un vent très violent qui fait tomber des arbres, qui impressionne. C'est le moment de faire la bracha de Baruch. Omer, il dira Baruch Shekocho Gvurato Malé Olam. Qu'il soit béni, ou plutôt reconnaît qu'il est source de bénédiction, celui qui a la force et la puissance qui remplit l'univers. Fin des 5 premiers. 5 prochains, c'est Al-Heharim, sur les grandes montagnes, Vala Gevaot, et sur les collines. Vala Yamim, et sur les mers. Vala Neharot, et sur les grands fleuves. Veal Amidbarot, on parle d'un fleuve qui coule constamment. Et donc, Amidbarot, c'est les déserts, des grandes étendues, des choses qui sont là,
quand on les voit, on réfléchit, on réalise que ça fait 5784 ans qu'elles sont comme ça. Ça n'a pas bougé, ça intègre. Ça témoigne que quoi, Baruch? Alors il dira Omer, il dira Baruch, Osem, Manasseh, Bereshit, qu'il soit béni, ou on reconnaît qu'il est source de bénédiction, Hachem, qui a fait Osem, Manasseh, Bereshit, qui a fait tout le Manasseh, Bereshit, toute la création du monde. Sur ça, on a Rabbi Yehuda qui vient nous préciser un point, en nous disant sur les mers que tu as évoquées, j'ai une petite remarque. Rabbi Yehuda Omer, Aroet, Ayamagdol, celui qui voit la grande mer. C'est quoi la grande mer? On va voir c'est quoi. Omer, il dira Baruch Shasa et Ayam Agadol. Il dira Dieu est source de bénédiction, Hachem, roi du monde, qui a fait la grande mer. Bisman Sheroe Oto Lifrakim. Mais tout ça, c'est à condition qu'il le voit occasionnellement. On va expliquer après c'est quoi ce Bisman Sheroe Oto Lifrakim. D'abord, je me concentre sur Rabbi Yehuda. Sur Rabbi Yehuda lui-même qui me dit que tu vois la grande mer. C'est quoi la grande mer? Sur ça, eh bien, il y a une discussion embêtante, en fait. Au sens simple, la grande mer, c'est l'Okyanos, l'étendue qui recouvre toute la surface terrestre, même si toutes les mers communiquent, là n'est pas le problème, même les réponses, elles ont chacun un nom différent, parce que concrètement, les échanges, ils sont délimités. Ouais, ça communique la Méditerranée avec l'océan Atlantique, et l'océan Atlantique avec l'océan Antarctique, et l'océan Pacifique, et l'océan Australien, tout communique bien sûr. Mais malgré tout, chacun, il est délimité par un certain secteur. Et dans ce cas-là, à chaque fois qu'on voit, sur ça, la Mishnah me dit, plutôt la Gemara précise, que selon Rabbi Yehuda, celui qui voit Yam Agadol, eh bien, hein, il devra dire, bah bon, chassette à Yam Agadol, une bracha spéciale. Alors là, on a un problème. Qu'au sens simple, le Yam Agadol, c'est l'océan. L'océan, ça peut être en fait tous les océans qui ont des quantités de mer, d'eau, interminables. Alors, dans ce cas-là, on glorifie Hachem qui a fait Yam Agadol. Mais il y en a qui pensent que non. Il y en a qui expliquent tout à l'envers que, au contraire, c'est la Méditerranée qui s'appelle le Yam Agadol. Et qui précise, même j'avais déjà vu ça, je crois, dans le Hors Samer, ça remonte à plusieurs années, une dizaine d'années au moins, je pense, qu'il y a quelqu'un qui explique probablement Hors Samer sur la Torah, donc le cher Korma. Peut-être vers la fin de la Torah là-bas, quand il va montrer le Yam Agadol ou je ne sais plus, il me semble qu'il explique que Rabbi Yehuda, il a voulu donner une bracha plus précise sur la grande mer, pas parce qu'elle est grande, mais au contraire parce qu'elle a été faite plus tard. Parce que la Méditerranée, concrètement, il y a des sources qu'elle a été créée ensuite à une génération plus. Ça dépend du Dorosh Aleinu, je ne sais pas. Hachem et Tzifet Haolam, Hachem, elle a voulu. Il a fait monter l'eau qui a presque recouvert tout l'univers, et puis après, il a fait descendre l'eau. Et là, il a concentré vers la Méditerranée. De là-bas, la Méditerranée, elle était faite. Il me semble, je manque peut-être de précision, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il donne une bracha spéciale. Donc du coup, concrètement, ce qui m'intéresse maintenant, halakhiquement parlant, il y a une bracha différente à dire sur la grande mer. Et on ne sait pas de la grande mer, est-ce que c'est l'océan Gibraltar, l'océan ou la mer de la Méditerranée. On a donc une marloquette à poskim. Et dans le doute, on ne fera jamais la bracha de Shaset Ayam Agadol. On fera toujours la bracha de Osem Asabereshit. Ça veut dire que moi qui habite à Yerushalayim, là c'est la période des vacances, en espérant qu'on aura l'occasion d'aller se promener un petit peu dans le nord. Donc je commence, je vais vous faire un petit tioul. À l'aller, je commence à descendre de Yerushalayim pour monter à Tveria par la Bikat à Yarden. Donc je vais déjà arriver, là-bas je vais voir la mer Yamamelach, la mer morte, de la voir avant de tourner en direction du nord. On peut voir là-bas de Yamamelach, tu fais déjà une bracha. Baruch Osem Asseh Bereshit, tu as vu une mer. Tu commences à monter. Et maintenant, tu vas à un moment, tu commences à voir le Jourdain, une deuxième bracha, Baruch Hashem Asseh Bereshit. Tu continues à rouler et tu arrives au lac de Tveria, Baruch Hashem Asseh Bereshit, une troisième fois. Tu vas ensuite faire on va partir faire un tioul dans le Golan, et on va voir une belle montagne comme ça, et bien encore une fois, Hashem Asseh Bereshit, tu fais une nouvelle bracha. Et puis après, on va faire un petit tour chez la famille Anatania, tac, on passe, maintenant on arrive, maintenant on va commencer à arriver vers Haifa. Oh, tu vois la Méditerranée, encore une fois, Baruch Hashem Asseh Bereshit. Ok? À chaque fois que tu vois une nouvelle cause de bracha, tu fais une bracha. Par contre, si tu es à Natania et tu fais tous les jours, tu rentres chez toi et tu reviens à la mer, alors là, tu ne fais pas de bracha dessus. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà vu, c'est ce qu'il me dit Rabbi Yehuda, Bisman Sheroto Lifrakim. À l'exemple que tu le vois occasionnellement, tous les 30 jours.
Tous les 30 jours, tu revois quelque chose de nouveau. Il en va de même pour toutes les... chaque chose que tu vois qui est statique, que tu vois. À la différence par contre des tonnerres, si jamais il y a une fois des tonnerres, tu ne fais pas à chaque tonnerre, tu fais une bracha. Dès que les nuages vont se disperser, si jamais ça revient et ça se recondense et ça refait un nouvel orage, même si c'est dans la même journée, tu refais une deuxième fois une bracha. Mais tant que c'est la même intempérie, eh bien on refait pas la bracha tant qu'on est dans la même journée. D'un jour sur l'autre, je crois qu'il s'est rapporté qu'il faut faire la bracha, même si ça ne s'est pas dispersé, mais tant que c'est la même journée, on ne fait pas, sauf si ça se disperse et puis ça se recommence. D'accord ? J'ai oublié de vous dire, de parler du détroit de Gibraltar. Je vous ai dit, maintenant, on a une marloquette. Est-ce que c'est quoi la grande mer ? Parce que la halakha, en théorie, elle est établie comme Rabbi Yehuda, que pour la grande mer, tu fais une bracha de chasset à Yamagadol. Maintenant, c'est quoi la grande mer ? On a dit marloquette. Est-ce que c'est la Méditerranée ou c'est l'océan ? Donc, tu vois la Méditerranée, tu fais l'océan Sébastien. Tu vois l'océan, tu fais l'océan Sébastien. Mais si tu te retrouves, tu vas au Portugal, en Espagne, vers Gibraltar, ou bien tu es en avion, même pour partir d'Israël en Amérique, je pense qu'on doit passer, j'imagine que la trajectoire, on doit sûrement probablement passer par là-bas, je sais pas, peut-être oui, peut-être non. En tout cas, tu es là-bas, tu te retrouves dans un endroit où tu vois à la fois l'océan et la Méditerranée, alors là, tu as le luxe et le privilège de faire les deux brachot. Tu commences à faire Baruch, Shasa et Tayamagadol, et après tu fais Baruch, Shasa et Tayamagadol sur la deuxième mer, d'accord? C'est clair, et maintenant on continue. Al a geshamim ve al besorot tovot omer baruch atov amtim. Sur les pluies et sur les besorot tovot, sur les bonnes nouvelles, alors tu diras baruch atov amtim, qu'il soit glorifié à Hachem, on glorifie Hachem, qu'il est source de bénédiction, qu'il fait du bien, qu'il nous donne des tovot et qui fait du bien à tout le monde. D'accord, on va le traduire un petit peu comme ça, tov amtim. Il est bon et il fait du bien. En fait, c'est une bracha assez particulière, cette bracha de Tov Amitiv. D'abord, je finis la phrase. Valshmo Traot est sur les mauvaises nouvelles, il dit Baruch Dayan Haemet. En théorie, je ne sais pas moi, on sort de Simchat Torah et on entend qu'il y a eu un massacre. En théorie, on a le devoir de faire une bracha Baruch Dayan Haemet. On apprend qu'il y a un ami, quelqu'un qu'on apprécie, qui est décédé. Baruch Dayan Haemet. Aujourd'hui, plus personne ne fait ses brachot, elles ont été annulées pour la plupart. Même si je connais des rabbinim qui ont fait des brachot, à quelques occasions. Mais en général, on fait ses brachot, ceux qui étaient dits Dayan Haemet, c'est juste l'endeuillé lorsqu'il va déchirer ses vêtements devant son défunt. Mais en théorie, il faudrait faire Baruch Dayan Haemet chaque fois qu'on entend une mauvaise nouvelle. Ça, c'est pour Dayan Haemet. Et pour les bonnes nouvelles, alors vous savez que quand on entend une bonne nouvelle ou qu'on a quelque chose de nouveau, alors on a tendance à plutôt faire Shehechianu et Kiamanoganu, on a un sergent qui nous a fait vivre pour aller jusqu'ici. Sur ça, on marque un point important, qu'il y a des fois des bontés où on est les seuls à profiter. Il y a des fois où nous, on profite et tout le monde profite. Par exemple, une pluie, quand on est des agriculteurs, eh ben, j'attendais que la pluie va tomber, ça veut dire que ça y est, la bracha commence à venir et à sortir. Hachem, il fait une tova à moi, et fait une tova aussi à tout mon entourage, tous mes voisins, on va tous avoir de la bracha. Alors on fait la bracha de Atov et Ametim. Si c'est une bonté qui ne concerne que à moi, c'est Baruch Sheikhianou, comme ce sera le sujet de la prochaine Mishnah. Et pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, pour le plus c'est là.